Et salut à toi, c'est l'entreprise, c'est David pour le blog biz100.fr, mon business à 200%. Et aujourd'hui, je vais te démontrer par A plus B en quoi une stratégie d'entreprise, c'est vraiment capital, primordial, essentiel, nécessaire pour développer votre entreprise, pour vivre votre passion, gagner légitimement votre vie en faisant beaucoup moins d'efforts. C'est souvent le problème, c'est que vous avez un bon produit, vous avez des clients, etc. Mais vos ventes ne décollent pas comme vous l'attendez, pas autant que vous le souhaitez. Et alors souvent, donc, c'est un problème assez simple, c'est le produit qui n'est pas assez abouti. Des fois, c'est que vous ne ciblez pas en fait les bons clients au bon endroit, au bon moment. Mais la plupart du temps, c'est pour beaucoup le fait que vous n'ayez pas une vraie stratégie d'entreprise qui vous donne un cap. Quand vous montez dans le taxi, vous dites tout de suite au taxi où est-ce que vous voulez aller. En fait, avoir une entreprise et ne pas avoir de stratégie d'entreprise, c'est comme si vous ne disiez pas au taxi où vous rendre. Forcément, au bout de 2 minutes, le chauffeur va vous dire, écoute, mon gars, t'es bien sympa, mais là, j'ai du boulot à faire, sors du véhicule, bon. Et c'est exactement la même chose pour une stratégie d'entreprise. Si vous n'avez pas de cap mentalement, vous n'avez pas de destination où aller. Quand j'ai commencé mon travail de consultant, je vais être franc avec vous, au début, bon, on marche à tâtons, etc. Puis très rapidement, je me suis mis à redéfinir la stratégie d'entreprise. Mais voilà, je vais atteindre tel niveau, tel endroit, etc. Et c'est comme ça qu'en 6 mois, je me suis gavé de formation en digital, en technique, en journalisme, tout pour justement booster mon niveau à ce niveau-là. Donc vous, c'est la même chose. Avec une véritable stratégie d'entreprise, vous allez définir où est-ce que vous voulez vous rendre, les outils à exploiter, les ressources à exploiter, les atouts, etc. Et quand on a une vraie stratégie d'entreprise, eh bien, il y a aussi une autre chose qui se passe qui est formidable, et c'est que votre stratégie d'entreprise va vous aider à définir une stratégie marketing beaucoup plus performante, beaucoup plus fiable et beaucoup plus précise pour atteindre les clients, votre client idéal, pour mettre en avant tel que vous le désirez votre produit. Ça va vous aider, une stratégie marketing va vous aider à réussir sur beaucoup d'aspects que jusqu'à présent vous pensez être bloqué parce que vous pensez manquer de ressources, parce que vous pensez manquer d'outils, genre de choses. C'est pour ça qu'il est fondamental pour vous aujourd'hui de définir une stratégie d'entreprise qui vous permette d'atteindre vos objectifs. Vos objectifs, c'est quoi ? Ça peut être un salaire, ça peut être atteindre un niveau de vie, ça peut être vivre dans une ville de vos rêves, ça peut être vivre à l'étranger comme je le fais, ça peut être pouvoir vous balader justement là à Marseille, là où je suis aujourd'hui, comme vous le désirez. Justement, vous voyez, je suis arrivé en France le 4 février, là ça fait cette vidéo, donc ça fait à peu près maintenant 2 semaines et demie que je suis en France. Je me suis arrangé pour avoir un appartement sur Marseille et j'organise des meet-up donc pour aider les personnes à trouver des clients avec internet, etc. Je passe dans les espaces coworking et tout. Et puis là aujourd'hui je me balade, voilà, puis je me dis tiens, c'est le moment de faire une vidéo, on va pouvoir parler de comment mettre en avant la valeur ajoutée, les produits, etc. De mon audience, donc de votre entreprise. Donc voilà, il faut vraiment que vous mettiez en place une vraie stratégie d'entreprise pour vraiment développer et atteindre votre vrai potentiel, vivre votre passion, gagner correctement votre vie sans avoir à quémander à chaque fois qu'un client rentre, s'il te plaît, achète mon produit. Voilà, c'est épuisant. Il y a un moment où on ne peut plus mettre trop. On ne peut pas en permanence mettre des efforts sur la table, investir dans de la com, dans des sites internet, dans des outils de communication ou réinvestir dans votre magasin pour le redécorer, etc. Parce que ça, c'est épuisant. Si vos clients ne rentrent pas avec votre décoration actuelle, ils n'entreront pas avec une nouvelle décoration. Il y a un problème, clairement, d'alignement entre ce que vous voulez obtenir et ce que vous demandez à vos clients. Voilà. Ça, c'est justement une vraie stratégie d'entreprise à vous aider à régler tous ces problèmes-là. Et pour commencer, je vous invite à faire quelque chose de très simple. Vous allez sur biz100.fr/go/stratégie et je vous ai préparé un kit complet, le guide ultime de la stratégie d'entreprise. Vous y allez, vous le téléchargez, c'est gratuit et vous allez pouvoir avec cet outil définir concrètement votre stratégie d'entreprise pour 1 an. Je vous donne les outils clés en main pour pouvoir le faire et dès cet après-midi, vous aurez un début de stratégie qui va vous aider à vous guider pour atteindre, pour réussir vos objectifs d'entrepreneur. Moi, je vous retrouve sur biz100.fr/go/stratégie et je vous explique tout en détail pour rédiger dès cet après-midi votre stratégie d'entreprise. Bye bye.